I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour la suite d'Horizon Forbidden West. Nous sommes à la partie 13 des vidéos et nous continuons la mission aux portes de la mort. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner et activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. C'est gratuit, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour une meilleure qualité d'image. Et nous démarrons de là, la One Again Beast to Fly, on n'a pas peur, on est des rappeurs. Yes Birdie, toi mon ami derrière l'écran. Allez go, comment on y va? Donc, eh bien écoutez, suivez les traces de l'orbe, ok. Bon, je me demande si c'était pas les traces violettes qu'il fallait que je suive. Hein. Tout de même. On va essayer par ce chemin là. Dans l'eau? Non. Mon focus détecte une sorte de balise de position. Ouais, c'est ça en fait. Fallait venir là, quoi. Ah, j'aime pas être sous l'eau, quoi. Ouais, c'est là, hein, la boîte noire, voilà. Allez, allez. Putain. Non, 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 non. Non, t'arrives là, t'arrives. Oh, comment je vais récupérer? Ok. Porte de bunker. Ouah, c'est la merde, hein, je vais mourir, quoi. Allez, 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 tiens bon, tiens bon. Tiens bon. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, quoi? Qu'est-ce qu'il fout dans l'eau? Salut toi, putain, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, putain. Comment je vais faire? Non mais...
vous déconnez là, vous déconnez, je fais comment? Oh putain, je suis dit, je vais mourir, putain, non. Non, quoi, c'est quoi ce jeu, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, donc les loulous, on a vu que c'est très compliqué. On va sous l'eau, mais sans sous l'eau, quoi, les gars. C'est un truc de ouf. Donc, on a bien vu aussi que je n'ai pas beaucoup de souffle. Ça va être compliqué pour ne pas se noyer, hein. Putain, je perds comment? Ils sont sous l'eau, quoi. Mais depuis quand des machines mécaniques nagent sous l'eau, quoi? Elles rouillent. C'est quoi ça? Porte du bunker là-bas? Ouais, mais bon, les boîtes de ravitaillement aux aides, quoi. Le feu pourrait me rendre service. Ah ouais. Putain, je vais faire comment? Non, mais j'ai pas assez de souffle en fait. Ah ouais, j'ai pas assez de souffle, je fais comment? Allez, c'est tombé. Waouh. Allez, loulou, j'ai carrément pas assez de souffle. Je ne vois pas du tout comment on va aller là-dessous, hein. Franchement. Donc, est-ce qu'on doit y aller maintenant ou plus tard? J'en sais rien du tout. Je suis laissé au Silence comme une idiote, alors qu'il m'a utilisé en trafic en silence pour voler Hadès. On va retourner là-bas. Il y a des mantes qui veut détruire la vie. Ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire. Et maintenant, je vais encore devoir encaisser ces commentaires moralisateurs. Thank you.
c'est chaud patate et houlou. Pars pas mon petit, tu vas mourir. Ça lui fait rien de dégâts quoi, c'est terrible. On libère un peu et on va essayer de voir si on peut pas passer par un autre côté. Parce que là à mon avis, je m'y prenais mal. Je pense pas que ça soit par l'eau. Hein. Ça sera plus tard dans l'eau. Moi je veux courir avant d'apprendre à marcher. J'ai eu? Ouais, on dirait bien. On récupère ce qu'on peut récupérer. Là, il y a un truc qui brille. Fragment de lune verte. Important. Hop. Pourtant, j'aurais pensé que c'était vraiment sous l'eau, les amis, mais... Non. Silence a l'air certain d'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais... Comment ? Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Ouais, de toutes de les copies façon, ont là, été effacées. Hein, que alors qu'est-ce qu'Hadès lui a dit? Je peux pas faire grand-chose pour Céliane pour l'instant. C'est quoi ça? On n'a rien à y faire de ça? Non. Ah, la caisse jaillite de Diane. Ok. À mon avis, j'ai pas l'équipement. Ah. Un marchand. Je m'attendais pas à trouver des gens ici. Il me sera peut-être utile. Là. Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'ouest? Ah, je sais pas. Ah, perdu. Oublie. Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages si tu veux. Mmh. Je veux bien parce que là c'est le chaos total. Hein. Acheter arc de chasseur à gel. Ok. Oh, ça peut être sympa. Monte les déchiqueteurs tranchants. On va tout acheter. Je vais pas l'équiper de suite. Ok, lui je peux pas l'équiper, je peux pas l'acheter. Bon, ce n'est pas grave. Mm-hmm. Et Loulou, moi ça me dit rien qu'il vaille, hein, cette histoire. Hein. Coffre antique. Votre avis, il y a quoi dans le coffre là-haut? Je vais garder le surplus pour plus tard. Ouais. C'est
C'était du violet le coffre antique, hein, non? Non, c'était juste là alors. Demande de retourner sur le chemin, d'accord. Jusque là, on est bon. Il y a des trucs sous l'eau, hein, mais bon. Sous l'eau, je respire 2 secondes et puis je meurs. Alors. Dans la colline. Mmh. Ouais, en fait, il faut vraiment juste suivre la piste terrestre, on va dire. Hein. Des ruines, d'accord. Voyons où ça nous mène. Silence a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Ouais. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence. Ah, voilà. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. Waouh. C'est un peu rouge, hein. Quand je l'aurais ressuscité. Donc tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors Gaïa est morte. La Terre et toi êtes condamnés malgré mes défaillances. J'ai gagné. Silence t'a demandé où trouver une copie de Gaïa. Trop simple. Qu'est-ce que Silence t'a fait, Hades? C'est comme si t'avais vidé. Silence m'a interrogé. Wow. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Tu ne te souviens de rien? Je me souviens de toi. Quand je t'ai battu Hades, à la Silence a lui raconté des conneries. Hein. Bon, ça ne mènera nulle part. Quand le signal mystérieux t'a transformé, il a rendu les autres fonctions subordonnées de Gaïa conscientes. Tu as fui quand Gaïa s'est autodétruite, mais elles aussi. Où sont-elles allées? Chaque fonction a migré vers tes corps. Erreur donnée erronée, structure de mémoire désintégrée. Non. T'as dit à démon. Ah, le disque dur, il est pourri. On ne sait où, pour faire on ne sait quoi. Héphaïstos fait des milliers de victimes chaque année avec les machines de combat qu'il fabrique. Et tu as failli détruire le monde. Cette autre fonction en liberté qui complote, ça sent pas bon. Tu On t'a déjà dit que tu avais une personnalité géniale, Hades. Sarcasme détecté. Oui, je m'en doutais. Silence t'a interrogé au sujet du signal mystérieux. Celui qui t'a réveillé, t'a donné une conscience.
qui l'a envoyé ? Signal transmis par les maîtres. Et qui sont les maîtres ? Les maîtres. Ah ben. Les maîtres m'ont réveillé pour détruire toute vie sur Terre. Qui pourrait vouloir ça ? Ça suffit. Il est temps d'en finir. La Aloy croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa, sauver la vie sur Terre ? Oui, Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès ? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Non. Tu te souviens de ça ? Oui, de mes contacts. Biosphère non viable, annihilée. En l'an 2154, 2161. 168. Ah ouais. Et alors ? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Wow. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Wow. Pas cette histoire. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois ? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance ? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face ? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça ? Il y a une raison qui... Tu as le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa ? Oh oui. Je crois que oui. Où ça ? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon ? Non, mais... Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit ? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois ? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là, la bouche ouverte ? Il m'insupporte, ce mec. T'as dit que tu n'avais pas chômé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu as quand même pris le temps d'apprendre aux rebelles Ténac à pirater des machines pour les monter. Aloy, la seule chose dont tu devrais t'occuper, c'est d'obtenir une copie de Gaïa. Peut-être que si tu te concentrais plus, tu obtiendrais des résultats. Je note que tu ne nies pas, Silence. Prends ça comme tu veux.
Juste pour être sûr, Hadès t'a dit qu'il y a des copies de Gaïa là-dedans. Oui. Il y en avait, en tout cas. Il y a un millénaire. Ouais, non, mais... Des copies qui n'ont pas été effacées quand Ted Farrow a supprimé toutes les copies d'Apollon. C'est ça. D'après Hadès, ce site n'était pas accessible par un signal distant. Même Ted Farrow ne pouvait accéder à ces données. Des copies. Des copies complètes de Gaïa et de ses fonctions subordonnées. Tout ce qu'il faut pour relancer le système, rétablir le contrôle de la terraformation, sauver la vie sur Terre. Là-dedans. C'est ce qu'a dit Hadès. Alors qu'est-ce que tu attends? Est-ce qu'Hadès a révélé la source du signal mystérieux? Celui qui l'a réveillé et tenté d'anéantir la Terre. Oui, en effet. Je peux savoir? Tu le sauras. Mais pas tout de suite, Aloy. Aux dernières nouvelles, tu avais une IA super intelligente appelée Gaïa à réinitialiser. Oui. Silence, la Gaïa qui a dû s'autodétruire il y a 20 ans à cause de ce signal. La transmission s'est arrêtée il y a des années. Ce n'est plus une menace. Et s'il recommence? Impossible. Et quand bien même il... Les détails sont compliqués, mais le signal nécessitait Hadès pour agir. Si tu supprimes Hadès de la copie réinitialisée, Gaïa ne craindra rien. Alors arrête de perdre du temps. Et va trouver une copie. D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence. Si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi, tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire « merci » et je te répondrai « je t'en prie ». Quel enfoiré. Identiscan, ne bougez pas. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. C'est une blague, là. On dirait qu'on a de la chance. De la chance? La porte est complètement foutue. En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là? Les Oceram les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un imiteur. Oh, merde. Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algues à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Non. Les pièces sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un mondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. Ah, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Faut se recasser de là. Bon, bah écoutez, les loulous, il va falloir aller dans le lac, hein. Tout ce que je ne voulais pas, mais bon. Devant des sœurs.
De l'algue à feu des fonds, c'est bon. Il ne me reste plus qu'à trouver les pièces. Ces machines doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'igniteur. Je vais scanner les lampes. Il faut plus qu'un des craves, je trouve. Les têtes sont conçues pour le son. Bon, les pièces, c'est ça. Viens, viens, bandisseur, viens. Viens, bandisseur, n'aie pas peur, viens voir le docteur. Voilà, merci. Je dois le faire tomber avant de détruire la machine. Ah, il faut que je les fasse tomber. Merde, vous pouvez me dire. Ouais, ben d'accord, tranquille, ça se passe comme ça chez McDonald's. Eh bien, les loulous, donc. Nous devons obtenir les ressources. Ça m'a sauvegardé ce que j'ai obtenu avant de mourir. C'est complicado. Le mode est là, n'oubliez pas. Ces machines doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'igniteur. Ça se sent. Je vais scanner l'une d'entre elles. Mon focus m'a décrit où se trouve la pièce. Bon, je vais tracer sa batterie. Donne-moi ta batterie, Oh putain! Viens voir le docteur, non, le docteur. C'est des kangourous en fait, quoi. Des kangourous électrifiés. Eh ben moi je vais te montrer ce que je peux. Oh, tiens. Voilà, un petit truc dans ta face. Je dois tirer sur la batterie avant de détruire la machine. Ok. Voilà ce qu'il me faut. Voilà. Je dois la récupérer. Bon, j'ai les pièces pour l'unité. On va quand même la tuer, hein. Il y en est établi. Je t'en ai servi pour bricoler Hadès. Bricoler. J'ai extrait des données inestimables. L'électricité, ça va pas avec l'eau pourtant. Lui, tout à l'heure, il était dans l'eau. Allez. Waouh. Yolou, le combat était pour toi, encore très compliqué. On a réussi à récupérer la batterie. Oh
On va se reprendre de la life. Et là, on va se fabriquer donc une nouvelle arme essentielle aux missions. Donc, ok. Non. Mais c'est quoi qu'il faut fabriquer là? Attendez. Ah, équipement spécial, d'accord. Ok, installer la lance. Ça peut servir à faire exploser les flammes gemmes. Ok, super. Bon ben voilà, c'est bien. Voilà, je devrais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme gemme. En effet, c'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'Horus. Génial. Viens les loulous, on fait péter. Je reculerai à ta place. Les flammes gemmes. Bon, je crois que ça ira. Alors vas-y, je t'en prie. Maintenant que j'ai l'igniteur, je peux faire sauter la flamme gemme que j'ai vue. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Donc, les loulous, nous allons nous arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Pour toi qui es nouveau, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et pour tout le monde, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Portez-vous bien, on se dit bye bye, à très bientôt. Allez, ciao les amis, bye. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy.